Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce Halo News qui va parler de trois points bien différents, mais tous concernent Halo. Le premier, il parle de la série télé Halo. Ça fait quelque temps qu'on ne l'a pas évoqué. La dernière fois qu'on en a parlé, c'était pour dire que Rupert Wyatt quittait la série. La série n'avait donc plus de réalisateur, mais aujourd'hui c'est une bonne nouvelle. Un nouveau réal est sur le coup. Il s'appelle Otto Bastertz, c'est un jeune réalisateur anglais qui a notamment travaillé sur la série Criminal Justice, Peaky Blinders ou encore le tout premier épisode de la série Black Mirror. Il a également réalisé le dernier film Robin des Bois au cinéma. Concernant la série, plus concrètement, il avait été annoncé à la base qu'elle avait 10 épisodes. Et après que le scénario soit revu, le nombre d'épisodes a été abaissé à 9. Pour tous les possesseurs de Switch, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Microsoft et Nintendo se rapprochent aujourd'hui pour offrir une expérience supplémentaire sur Switch, ou dans le monde de Nintendo en règle générale, en y ajoutant des titres de la Xbox. Ainsi, on pourrait peut-être un jour voir arriver sur la Switch du Halo. Et je fantasme peut-être en disant ça, mais si dans quelques années on se retrouve avec un Warthog dans Mario Kart ou un Arbiter dans Super Smash Bros, perso je prends, hein. Et enfin, concernant Halo Infinite, le prochain gros jeu Halo, Halo 6, de nouvelles petites informations sont tombées. Tout d'abord, il semblerait que le jeu soit prévu pour le lancement de la prochaine Xbox, qui devrait être un point central du prochain E3. Mais c'est surtout la deuxième information qui va plaire à beaucoup de personnes, je pense, parce que comme beaucoup de joueurs s'y attendaient, le jeu va flirter avec le RPG. Et il semblerait même que l'histoire se modifie face au choix des joueurs. On n'a plus qu'à attendre de plus amples informations. En tout cas, les infos concernant Halo semblent commencer à pointer le bout de l'année. Et ça, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, vive Halo !